L'Alliance française de Dublin est l'une des plus anciennes alliances françaises d'Europe. C'est aussi l'une des plus efficaces, l'une des plus couronnées de succès. C'est en fait la troisième alliance française de notre réseau en Europe par le nombre d'élèves et le nombre d'apprenants, après celle de Paris et de Bruxelles. Dans un pays anglophone, c'est vraiment remarquable. Et c'est un succès qui ne se dément pas année après année. Qu'est-ce que fait une alliance française? Eh bien, ce festival de littérature témoigne de ce travail de fond que réalisent les alliances. C'est 17 ans, puisque c'est la 17e édition, 17 ans d'un travail qui a permis de rapprocher des centaines d'auteurs français, irlandais, qui a permis d'atteindre des milliers d'auditeurs irlandais, français, dans la communion de l'amour de l'écrit, de l'amour du livre, de l'amour de ce que représente la littérature dans les deux langues. Et je crois que c'est véritablement un des symboles de ce qu'est le rôle de l'Alliance française, c'est-à-dire non seulement au jour le jour d'enseigner le français, de faire partager de 7 à 77 ans, et même de beaucoup plus jeunes, et même beaucoup plus âgés, puisqu'il y a même des personnes de plus de centenaires qui viennent encore à l'Alliance française de Dublin, c'est non seulement de faire partager cet amour de la langue française, de l'enseigner, mais également de, à certains moments, mettre en valeur des choses exceptionnelles, des auteurs exceptionnels, français et irlandais. Alors, la représentation de la France à l'étranger, ce n'est pas que l'ambassadeur, c'est une équipe. C'est une équipe faite de collaborateurs qui, aussi bien français qu'irlandais, c'est aussi une des clés du succès, faite aussi bien d'expatriés qui viennent apporter leur savoir, qui viennent apporter une expérience particulière, que de personnels qui sur place ont une connaissance plus particulière des circonstances. C'est aussi l'ambassadeur, et l'ambassadeur est au service de ses équipes dans le domaine non seulement culturel, dans le domaine économique, dans le domaine consulaire. Cette superbe résidence, eh bien, c'est un des hauts lieux qui symbolise la France ici en Irlande. Elle est très, très connue en Irlande. Elle est très connue par la qualité des personnes qu'on y reçoit. Elle est très connue par les grands moments qui ont pu s'y dérouler. Rencontres historiques à haut niveau avec nos présidents de la République qui ont pu venir ici en Irlande, les hautes autorités irlandaises, mais aussi les grands noms de la littérature irlandaise. Qui viennent ici régulièrement à chaque fois que nous organisons un dîner. L'histoire de cette résidence, c'est la France depuis 1930, c'est-à-dire depuis l'établissement des relations diplomatiques. Et depuis, nous n'avons jamais quitté cette résidence et nous n'avons pas l'intention de la quitter. C'est premièrement tous les écrivains qui sont là ce soir. C'est Noël Châtelet, c'est Serge Joncourt, c'est Michel Barrière, c'est encore d'autres. Déjà, ce sont des grands noms, parce que justement, le thème de ce dîner, c'est la nourriture, mais c'est également les mots pour la dire, les mots pour l'exprimer. Et vous savez, ce dîner, en fait, se trouve cette année avoir lieu dans le cadre d'une opération plus large menée par les ministères des Affaires étrangères sur la promotion de la gastronomie française dans le monde, sur notre diplomatie gastronomique, sur comment, finalement, manger, bien manger, l'art de la table, les produits, la qualité des produits, la qualité des terroirs, finalement, sont aussi une image de la France. Une opération qu'on appelle Goût de France et qui a lieu chaque année dans le monde entier au même moment dans l'ensemble de nos ambassades. Donc, pourquoi ce dîner? Pourquoi ces écrivains? Parce que de toute façon, ces écrivains sont des gens qui transmutent au sens alchimique du terme, des sensations en mots qui, à travers les mots, font naître des sentiments. Et c'est un moment toujours extraordinaire qu'on essaye de marquer par un dîner. Ce n'est pas la première fois qu'on fait un dîner pour le festival littéraire. L'année dernière, c'était sur le thème du polar. Cette année, c'est sur le thème de la gastronomie. Et à chaque fois, on essaye de faire en sorte que nos écrivains soient enthousiastes, repartent avec un formidable souvenir, que l'amitié franco-irlandaise soit encore plus forte et que l'envie, l'appétit pour faire encore mieux, encore plus l'année qui suit, soit encore plus forte.